Simon, qui nous arrive du côté de Bujumbura au Burundi. Ma collection s'appelle One Nation, One Destiny, une nation, une destinée. Donc pour dire qu'il n'y a pas de frontières entre l'Afrique, on est tous les mêmes. En termes de matière, j'ai utilisé le PAN. On a une industrie textile qui s'appelle Afrotextile et j'ai voulu promouvoir le PAN brûlé, celui que je mets déjà. C'est le tissu. Donc, comme je vous ai dit, c'est une nation, une destinée. Donc c'est pour dire voilà, qu'il n'y a pas de frontières. On peut aller loin à travers la mode et il n'y a pas de limite. Je viens de l'Afrique de l'Est, il y a de l'Afrique de l'Ouest, il y a un peu partout l'Afrique est représentée. Il y a beaucoup de pays qui sont ici pour représenter Vimou. Cette ultime tenue nous permet de présenter Simon qui nous arrive de Bujumbura et qui est la présidente de Bujumbura Fashion Week qui a accueilli il y a moins de 6 mois. Bujumbura Fashion Week, c'est mon événement, moi que j'ai créé depuis juillet. La première édition s'est déroulée le mois de juillet. Et c'est pour en fait promouvoir le Burundi à travers la mode, donc au niveau touristique, mais aussi pour les investisseurs qui veulent investir au Burundi. C'est à travers la mode que je vais faire connaître mon pays, mettre sur le map le Burundi. Comme vous le savez, le Burundi, c'est un petit pays qui vient de la crise. Et la mode, c'est un vecteur de paix, c'est un vecteur économique. Et voilà, j'ai décidé de créer Bujumbura Fashion Week pour faire du Burundi la capitale de la mode. Murakoze cyane.